Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre dans notre nouvelle démarche qu'est l'agrothérapie, qui est visiblement une démarche pour l'avenir. Je dois préciser que l'agrothérapie est pratiquée quotidiennement par l'ensemble des êtres vivants, chacun dans sa sphère de vie, que ce soit le Saoudien dans le désert ou l'Ivoirien qui est dans la forêt. La nature nous sait toujours ce qu'il nous faut pour en tout cas bien nous porter. C'est ça l'agrothérapie. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Quelle est l'approche agrothérapeutique des traitements sur le diabète? D'abord, le diabète, on doit dire que c'est une concentration anormale de glucose, qui est un certain, qui est un sucre, un nocif pour l'organisme, et concentré dans des proportions de 0,6 g par litre à 1,10 g par litre de sang, on dira que la concentration de sucre dans le sang est normale. Au-delà de 1,10 g, on parlera de, là, en tout cas, de l'hyperglycémie, on parlera de diabète. Alors, le diabète, en agrothérapie, qu'est-ce qui est la cause? C'est ça, nous, en agrothérapie, on recherche toujours la cause, parce que c'est à cette cause que nous allons nous attaquer pour essayer de proposer une réponse. Alors, on va chercher plus loin avec les résultats des recherches d'un chimiste français, Louis-Camille Maillard, qui en 1912 a découvert ce qu'on dit, il a appelé le phénomène de la glycation. Le phénomène de la glycation, c'est une concentration anormale du sucre sur les protéines, c'est-à-dire les protéines des aliments que nous mangeons. Quand ces protéines arrivent dans le sang, ils vont être transportés par, des véhicules biologiques qu'on appelle l'hémoglobine. Alors cette hémoglobine-là, au lieu de transporter des protéines, c'est-à-dire des aliments sains pour les envoyer aux cellules, va envoyer des protéines qui comportent une trop grande concentration de sucre. On parlera d'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire d'hémoglobine qui transporte beaucoup de sucre. Alors aujourd'hui, dans les laboratoires, quand on va à les laboratoires un peu avancés, on ne parlera plus de taux de glycémie, on parlera plutôt de taux d'hémoglobine glyquée. Le taux d'hémoglobine glyquée qui se trouve autour de 6. Ça veut donc dire que c'est ce phénomène de la glycation-là qui est inducteur de ce qu'on appelle le diabète. Alors nous, en agrothérapie, mais dans le même temps, il a proposé que pour éteindre le phénomène de la glycation, donc casser la naissance du diabète, la cause du diabète à la base, là, il faut que le patient consomme des crudités, il doit consommer des fruits, et privilégier les produits qui sont riches dans une substance qu'on appelle, en tout cas dans une substance qu'on appelle polyphénol. Les polyphénols sont des substances qui sont contenues dans des produits divers. Et notamment dans les polyphénols, il y a une famille qu'on appelle les flavonoïdes. Les flavonoïdes sont les seules et uniques substances naturelles capables de casser le phénomène de la glycation. À partir du moment où le phénomène de la glycation est cassé, c'est-à-dire le phénomène de la concentration du sucre est cassé, le diabète va s'éteindre de lui-même. Donc, nous, en agrothérapie, nous proposons cette réponse de Louis-Camille Maillard, mais nous allons plus loin en proposant un agrobiotique de très bonne qualité, un produit ici qu'on appelle le Renadia, c'est-à-dire c'est une poudre de cacao que nous avons et qui, consommée, va permettre donc aux diabétiques de pouvoir ramener la concentration de sucre dans des proportions acceptables par l'organisme pour recouvrir sa santé. En tout cas, depuis 2003, nous suivons des diabétiques qui aujourd'hui se portent très bien. Ceux-là, ils consomment normalement de la sucrerie, ils mangent tous les autres aliments, sauf qu'ils ont un petit accompagnement, ils doivent boire le café ou notre cacao ou notre tisane ou alors prendre un autre produit encore plus concentré qu'on appelle le Renapol pour très très bien se porter. Pour nous, en agrothérapie, bon, c'est peut-être choquant de le dire, c'est osé de le dire, on ne considère pas le diabète comme une maladie. Parce que le diabète n'est ni une maladie à microbes, ni une maladie à virus. Toutes les recherches démontrent que le diabète vient de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. C'est-à-dire, le diabète vient de notre assiette et de notre verre. Le diabète est une maladie de la table. Donc, à partir du moment où le diabète vient de nos aliments, il n'y a que par nos aliments qu'on peut éteindre disons les effets nocifs de nos aliments qu'est le diabète. En effet, Hippocrate disait que, et je le cite, la maladie
est causée par les semblables et c'est par les semblables administrés aux malades que le malade retrouve la santé. Donc là, nous sommes vraiment dans l'école de Hippocrate qui conseille que les substances qui créent les maladies, il faut utiliser ces substances pour éteindre la maladie. C'est pas un phénomène extraordinaire. C'est ce qui prévaut, ce qui préside à la mise au point des vaccins. On prend les microbes ou on prend les virus et on les retourne contre leurs congénères. En effet, en agrothérapie, nous disons que le meilleur antidote du poison vient du poison lui-même. Donc il n'y a qu'avec les aliments que nous conseillons, mais surtout avec nos agrobiotiques, que nous arrivons à apporter une réponse adéquate, en tout cas significative et efficace, au problème du diabète. Nous n'allons pas avoir la prétention de dire que nous guérissons le diabète, mais en tout cas, quand un patient vient à nous, qu'il prend nos produits, et on réussit à ramener la concentration du glucose dans des proportions acceptables. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le diabète. Nous sommes prêts à faire des expériences pratiques avec tous ceux qui le voudront. Nous sommes à votre disposition. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on se rencontre bientôt pour une autre rubrique qui va porter sur une pathologie donnée. Merci.